Choisis ton personnage. On l'attend de l'autre. Et ma nanana. Ce petit jour numéro 2 qui vient de commencer. Ouais. Et là, j'attends mon camarade. Ah, le voilà. Pour vérifier l'état de Halley, ça va, Halley opérationnel. Voyons. Allez. Ça va, tu t'en sors? Ouais, je t'inquiète, hein. Donc voilà, on va faire une quête de personnage. Ok. I'm heading for Eagle Eyes Farm. Hopefully, I'll be coming Voyons. Home with a new sniper for the team. Enrôler. Ouais, ok. Il n'y a pas assez d'électricité dans le dans l'appartement. Ah, là. Mais. Ça, ce sera pour plus tard. Hein. Quand on aura installé le générateur, etc. Ouais. Alors, jardin, il n'y a rien à faire pour l'instant. Voilà, on peut faire un rendez-vous à la ferme de Friedman, alias Eagle Eye, à Glendale, pour mettre la main sur le matos amassé par ce sniper légendaire. Je vais te mettre le point sur la carte. Voilà. En avant. Attention, hurleur. Yeah, that'll keep you quiet. Tu utilises quoi comme type de carreau? Léger? Léger, ouais. Oh là là, je suis plus visé. Ah là, ça c'était fait. Il fait déjà nuit, sérieux? Non, mais faut Et oui, et arrêter, oui. hein. I've seen a lot of places where we could set up an outpost, but this one feels different. Oh, I like it. Pourquoi t'as lancé un live là, non? Ouais, on est en live, on est en live. C'est ce qui me semblait. Faudrait que je me lance aussi un live moi tout à l'heure. Je reprends mes lives parce que. Vu que j'ai plus de. J'ai vu que j'ai mon deuxième écran maintenant, je peux le faire tranquille. We've got nothing. Attention derrière toi. Oh, gros sac. Attends, puisqu'il reste encore des endroits à fouiller dans la grange. On l'a pas fouillé celle-là déjà? Bah apparemment on peut la refouiller. Si tu me vois accroupi, c'est qu'il y a des raisons. C'est pas pour le style. Oula. Allez hop. C'est bon là, c'est sûr que tu te relèveras pas. Hein.
Voilà. Se casser la figure tout de suite. Bon bah voilà. T'es à terre? Bah non, mais je me suis fait des dégâts en tombant, ce qui est pas très grave. Pas moi. Oh, je suis trop fort. Attends 2 secondes. Hop, hop, hop. Attends-moi. Je suis là, t'inquiète, hein, je suis pas. Je vais pas augmenter la luminosité parce que semblait qu'on ne voyait pas grand-chose. Ah, mais on voit déjà pas grand-chose la nuit, hein. Oh là là, je rate tous mes tirs aujourd'hui alors que hier j'arrêtais pas de faire des. Arrête de me voler mes carreaux. J'ai rien fait moi. Je te vois foncer dessus chaque fois. Non mais c'est pas les mêmes que les miennes. Si, c'est les mêmes. C'est la même icône. Close if no shit hits the fan. Après, je vais peut-être faire du GTA RP tout à l'heure. Allez hop, ça c'est fait. Voilà. Alors, 8 containers à fouiller et. Il faut explorer 2 zones. Apparemment. C'est une petite zone, mais il y a beaucoup à fouiller. Guess whoever was here before won't be needing this. Nada. Ah, t'as trouvé de l'essence, toi. Ouais. Ah, et je suis passé niveau maximum pour l'astuce. Donc, je vais pouvoir choisir une spécialisation. Alors, discipline augmente l'endurance, la limite de charge légère, durabilité des armes. Et la reconnaissance augmente la distance de reconnaissance, détection des ennemis. Ouais, bah, endurance. Recève de voir les ennemis de loin. Pour l'instant. Boring. I think I heard something. Encore 5 containers à fouiller. Il y en a à l'étage. T'en as ici, ouais. Il y a du zombie, hein, j'entends. Ça se rapproche. Ah, il y a sac de munitions. Qu'est-ce que je pourrais bien dropper? Oh, c'est chiant d'avoir un petit sac. Écoute, on reviendra. C'est pas bien grave. Ah, sac de bouffe, ça par contre je vais prendre.
Ah, mais t'as cru faire ta maline là, Matt? Ah, tu m'as vu, mais je t'ai tiré ta putain de tête de merde à se poser. Tu peux me rejoindre à l'étage, sauf si t'as un sac déjà. Attends. J'ai pas de sac, moi, encore. Ok. Ah, pourquoi? Parce que je vais te refiler un sac. Hop. Comme par hasard, je suis obligé de te prendre tes balles, c'est ça? Mes balles? Non, c'est les munitions pour le groupe. Attends, je vais aller rechercher. Il me semble que c'était ici. Ouais. C'est de la nourriture. Donc il nous reste un conteneur à fouiller. Il est peut-être dehors. Ouais. Le voilà. Super, super. Chercher la cache d'équipement du sniper film dans la grange. Ah, là il faut qu'on tue tous les zombies qu'il y a autour de la grange pour compléter la quête. Oh là là. Je crois que c'est l'arbalète en fait. Hier je ratais aucun tir, mais c'était sur l'autre personnage qui a un autre genre d'arbalète. Ah, ça me saoule cette lampe, elle éclaire que dalle. C'est mal fait, il faut qu'on revienne reprendre la fin des sacs. Donc on doit aller déposer ça au camp. Juste en face. C'est là où un petit véhicule, ce serait pas mal. Oh là là, je suis naze. Tu te souviens, hein, hier soir, j'arrêtais pas de faire des tirs à la tête non-stop, et là... Non, c'est moi qui faisais les tirs à la tête, c'était pas toi. Oui, bien sûr. Ah. C'est cela, oui. La preuve, la prochaine fois, je ferai un live. C'est moi qui visais plus à la tête qu'autre chose. Non, non, pas hier. On visait tous les deux la tête de manière incroyable, et là, pas moyen. Oh, c'est peut-être l'arbalète qui est moins précise ou la fatigue, je sais pas. Wow! Au pire, corps à corps, hein. Bloater ahead. Better kill it quick. Ouais, t'as raison, j'aurais dû faire le live hier. Ouais. Attends, c'est quoi ça? T'approche pas. Parce qu'il va nous péter à la gueule. C'est lui qui m'a pété à la gueule l'autre fois. Ah ouais, hier, ouais. Ça te bouffe tout le temps d'endurance et une partie de ta vie. Ouais. Allez, qu'est-ce que je fais, moi? De toute façon, on peut rien reprendre parce que je suis full. Enfin, toi, t'as plus de place, t'as un plus gros sac. Oui. Feu de détresse. Ok. Bon, on reviendra. Sur le trajet du retour, on passera par ici.
Bah voilà. Ça fonctionne à nouveau. Je pense aussi que la compétence de tir du personnage joue beaucoup. Il me reste une place. Bah fais ton choix. Et puis on va aller ramener tout à la base parce que... Non mais c'est bon, moi j'ai ouais, c'est bon. Ce qu'il y a... Il me reste une place en fait, c'est pour te dire. Ah ok. Bah viens, on fouillera après. On va aller déposer tout ça, il faudrait vraiment que je me trouve un sac plus grand. Moi j'ai de la chance, j'ai eu un... C'est ça un quoi de... Dans la quoi de... 10 premières minutes de jeu, t'as eu un sac 12 places. Ouais. Il y a une bagnole à fouiller, attends. Perfect. Just perfect. Ah merde, putain, oh, mais sérieux? Putain, c'est... On a ce qui se passe... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là? Oh, sérieux? Pas normal, ça. C'est pas grave, je vais faire du cac en attendant. Du corps à corps. Bon, voilà. On est déjà à la base. Je pense que nous sommes en train de tout ça. Il y a de l'électricité maintenant. Ah bon? Ouais. Bah on n'a pas installé les générateurs, c'est quoi ce délire? Oui, je suis d'accord. Ah bah non, c'est les bougies. C'est les bougies. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Voilà, j'augmente la taille de la réserve. Tu veux un sac de combien de places? J'ai un sac de le plus petit, le 6 places. Il y a un... Ah merde, tiens. Attends. Je crois. Hein. Ouais, c'est ça. How am I supposed to carry that? Donc tu l'avais trouvé, mais t'avais pas pensé à me le donner sur le terrain. C'est pas grave. I can't carry that. C'est vrai qu'il fait vachement plus clair qu'hier. Mais c'est les bougies. Elles vont bien, c'est des bougies Ikea sûrement. Putain, comment je fais? Je peux pas donner les sacs à dos. Tu peux le déposer normalement. J'en ai un, je veux t'en donner un à 7... entre guillemets... à 7 places, où c'est marqué 6, c'était marqué 6... 7. Mais il est où? Bon, laisse tomber. Je peux pas te le donner. C'est bizarre. Bon, bah, c'est pas grave. T'as essayé avec le bouton Y pour déposer le sac? D'abord, mets-le dans ton inventaire. Ah, de ton personnage. Et puis tu vas dessus, t'appuies sur Y. Normalement, tu vas pouvoir le déposer. Non, je peux pas. Tu peux pas? Non. Ah, on a une invasion de zombies. Comment ça, une invasion de zombies? Ouais, ouais. Où ça? Bah ils arrivent. Ah ouais. Tu couvres de l'autre côté, moi je reste ici. Vas-y. Si vraiment t'as besoin de d'aide, tu m'appelles.
Bon, je vais être ton côté parce qu'il y en a qui a réussi à rentrer. Oh, mais c'est pas évident, j'ai deux portes à gérer. Tracasse, je gère. Voilà. Allez, vas-y, on termine. Putain de zombie de merde là! On peut pas rester en tranquille là? C'est inadmissible hein. C'est ça quoi, on est plus chez nous hein. Ouais, on est plus chez nous là, c'est inadmissible. Ah si, tiens! Tiens, prends ça! C'est bon, t'as trouvé? T'as trouvé comment ouais, on faisait? C'est bon. Ici là. C'est un set. That's a lot of stuff. Merci. De rien, ça fera une petite pup. Ah, salut Alex. Ah ouais, je suis un gros fan de jeux de zombies. Mais pas des jeux de zombies style... je les ai fait quand j'étais plus jeune. Les Resident Evil, je les ai fait. Mais je suis plus trop fan. C'est un peu trop mou et trop couloir-desque à mon goût. Sinon, ouais, tout ce qui est action, coop, zombie, je kiffe à mort, quoi. Et j'espère que tu vas bien. Ça va, Imhotep. Bon, on va pouvoir retourner fouiller et finir la mission. Du sniper. L'autre, il est déjà parti. Bah non, je t'attends. Ah bon? J'ai vu, tu remontes là. Saleté de zombie. Ah ouais, c'est chaud. Bah ça va bien, écoute. Pardon. Mon pote Argaming vient de me rejoindre, donc ça va bien. Ouais, ça va, ça va. Sinon ouais, pour Resident Evil 7, je l'ai en VR, mais je me... Enfin, on me l'a prêté, et je peux le faire en VR sur PS4, mais il paraît que c'est hyper flippant. En VR, ah, du oui, moins. Ça... Oui, j'avoue. Donc, j'attends. J'attends de refaire des sessions PS4. Là, je fais une grosse pause. Il va faire un arrêt cardiaque sur place après. Ah ouais, ce serait malheureux quand même. Mais quoi, tu t'amuses sans moi? Et alors? No sight nor scent of Zeds. Ils étaient trois contre moi, ben je les bousillé les trois. Après Alex, si t'as une console, ça se vaut totalement hein, sur une console, je veux dire. Pour le Resident Evil. Oh, j'ai une hache. Ah, Space 12, je crois. Ah non, R12. Ouais, bah, c'est plus ou moins le même. Je vais pas l'équiper, mais je vais le garder si on va faire des missions de défense. J'ai une bonne... Aussi, y'a un boss. Ouais, parfois c'est rageant, on achète un jeu PC, on peut pas y jouer parce qu'on n'a pas la bécane qu'il faut. Je sais, je connais. Et Ark Gaming, il connaît aussi. J'ai fait l'expérience avec GTA V. T'as fouillé toi? J'ai tout fait. Fini, okay. Moi. Okay. J'ai tout fouillé. Bon. C'est que des quasi pour toi. Okay. J'ai fait l'expérience. Hein. Moi, j'ai acheté... ma bécane, elle est très très bonne. Hein. Je joue à... Là, le jeu, je le tourne en ultime. Mais le problème, c'est que ma carte graphique, elle allait pas au tout début. Ah, ok, Alex. Oui, j'ai vu ça aussi pour GTA, mais bon... Je l'ai déjà acheté, malheureusement. Enfin, comme d'hab. Hein. J'achète un jeu, ils sont gratuits à moi après, quoi. Et c'est véridique, hein. Puisque je l'avais sur console, mais pas sur PC. Donc je l'ai pris sur PC il y a plus ou moins un mois. Pour faire du RP. Ouais, et il a arrêté. Mais non, j'ai pas arrêté, là. C'est juste que le serveur ne me convenait pas.
ne te connais pas. Bah ouais, bah le stèle. Ne me prends, venez pas. Ouais, mais je suis déjà plein donc. Ah bon, bah laisse tomber. Tant qu'on n'aura pas de bagnole et des gros sacs, va falloir faire plusieurs allers-retours, c'est bien. Je t'attends. Oh, mais moi je récupère des trucs de ouf! Ah, il y a un gros explosif. Qu'il est... Ah, il est là. J'ai le couteau de combat de Call of. Oula! Tonnerre! Ah, j'ai découvert que si tu tues ceux qui sont tout gonflés en tirant dans la tête, ils meurent pas tout de suite, ils sont au sol. Et si tu tires une deuxième fois, ça fait une détonation. D'accord. Ah, ça sur GTA, ouais, la commu, pas top. Salut Bikers. Eh ben, t'en as des gens qui viennent te voir. Bah tant mieux, non, on va pas se plaindre. C'est vrai. T'es où là? Tu restes là ou tu viens déposer ce que t'as? Ah non, mais moi je suis pas plein. Hein. Oh, ça va, arrête de frimer avec ton sac 12 places. Hey, sexy. Ah, c'est des munitions, c'est important. Je ramène. Ah vas-y. J'attends la mission. Ouais, parfait. Bienvenue à vous, les gens sur le. Ok. D'accord, en fait, me TP vers toi. Ok. Ah, y a... à mon avis, c'est pour éviter qu'on puisse partir chacun de notre côté, tu vois, faire. C'est inadmissible, ça. Inadmissible qui était en plus, hein. Ça inadmissible. Ça t'apprendra à pas me suivre. Enfoiré, là. Bah écoute, gameuse, oui, pas de soucis, mais bon, là, pas tout de suite, tout de suite. De quoi elle demande quoi? Moi, bah, tu iras voir sur le chat hein, après. Bah, j'y suis sur le chat. Ah, d'accord. Okay. Ah, oui, c'est vrai. Donc, elle demande. Elle fait le tour un peu des streams. Et elle essaie de rassembler une communauté FR sur. Ah, de State of Decay apparemment. Sur un groupe Facebook et Discord. Bah, pas de soucis, hein. tu peux mettre le lien dans le chat, y a pas de soucis. C'est quoi une communauté Ah, parfait, ok, nickel. Bah, là, pour rassembler des joueurs FR sur le jeu. Lequel jeu? Bah, le jeu auquel on est en train de jouer. Ah ouais, bah vite, allez, j'arrive, ouais, je suis refait. Bon, je t'attends maintenant. Oh. On va se calmer, monsieur. 2 minutes, d'accord. Hein, je fais comme je peux, d'accord, mon ami. Je vais avancer, comme ça tu vas te TP sur moi. Tu vois, j'ai craint de m'abonner à des gens qui sont là. Bah tant mieux. J'ai craint de les suivre sur Twitch. Moi voilà. Je ferai ça après, je m'abonnerai à chacun d'entre vous. Enfin, uniquement les gens qui s'abonnent, bien sûr. Ouais, comme moi. Moi, je connais. Je vous. Ça me ferait plaisir que vous me suivez sur Twitch aussi. Après, je fais du GTRP, je fais un peu de tout. Hein. On a fait. Vous verrez dans les tout premières vidéos, je pense que sur ma chaîne Twitch, il y a les premières vidéos qu'on a jouées en GTRP avec les Ross, Paul Dark et Jack. Sur ma chaîne Twitch. L'action, les actions de ouf qu'on faisait dans le. Ah, n'exagère pas, hein. De quoi? C'est vrai? Bah, on a bien rigolé, ouais. Maintenant de dire que c'est de l'action de ouf. Non, mais je me comprends. Je comprends quand je dis ça. J'allais retourner au camp parce que j'ai plus de place là. Tu me fais.
Ah! Ça t'apprendra à aller sur Twitch au lieu de jouer. Faut payer pour être un beau. Non, il faut pas être faut payer pour être un beau. Non, il n'y a pas du tout. C'est gratuit. Merci, Mikeuz. Oh. Non, juste follower, pas s'abonner. Ouais. Je débute sur Twitch. Hein, je connais pas encore tous les termes. Alors, il y a deux façons. En fait, pour ceux qui sont affiliés sur Twitch, ceux qui sont affiliés, les abonnements sont payants. C'est 5€ par mois. Et ceux qui ne sont pas affiliés, en fait, il y a un petit cœur tout en haut, en fait, pour dire suivre, pour follow, en fait, c'est simple. Il y a plusieurs façons hein, de s'abo. Ah, mais c'est pas mal, ça. Voilà. Je vous présente Argaming, il fait aussi du télémarketing pour Twitch. Ah, moi je suis à deux. Il me reste encore quelques-uns et je suis bientôt affilié Twitch, moi par contre. Ah, parfait ça. Ouais, ça fait plaisir. We're all clear. Hopefully we're starting a trend. Alors, plus d'impact pour renverser, mais moins de vitesse. Non, ça ne m'autorise pas. Bon, je te laisse fouiller la maison. Ouais, mais y a pas de problème. Bah, c'est affolant, je vais déjà être plein. Nobody Oups. Else heard that, right? Right. Casse pas tout, hein. Oh oh. T'entends? Ouais. J'ai de la bouffe. C'est quoi ça? Attends, sur la carte. Ah, ça va. J'ai cru qu'on était envahi, mais en fait non, c'est normal. C'est parce qu'on est en train de faire une zone de sécurité. Ouvre et recule. Je vais essayer de lui faire un headshot. Ah merde, il évitait pas de voir la porte. Bah voilà. Il fera plus de bruit. Ah ouais, c'est sûr qu'il fera. En fait, on l'avait déjà fouillé. Enfin, en tout cas, moi. Ah bon, bah lui il a bien vécu lui hein. Ah d'accord Alex, tu parles de quand, du tout début de Twitch? T'as agrandi la réserve du coup? Oui. Elle est peut-être encore en cours de construction, hein. Faut que je vérifie. Attends, je te dis ça tout de suite. Je vide mes poches. Moi aussi, je vide mes poches. Ah, il y a une modif pour apparemment pour la réserve. Attends, je vais voir si je peux l'installer. On pourra gagner encore plus de place, apparemment. Ah, non. Ah, il faut qu'on trouve des briques pour augmenter la taille, encore une fois, de la réserve. D'accord. Ok, bikers. Je regarde ça tout à l'heure avant de déco. Ah bah je suis un vieux aussi hein, t'en fais pas. So about these infestations, time to do something?
Vieux comment, c'est-à-dire, attention, tu vas me vexer peut-être. Oui, y a pas de souci. Bikeuse. Je vais voir où ça en est des graines. Alors, ok. Ah bah, j'ai 38 dans 25 jours, je crois. Ouais, c'est ça. Non, attends, je compte très mal. 21, on est le 21. Yep, ça fait 10 jours. Ouais, dans 30, 36 jours. 38 ans dans 36 jours. Eh oui. Ah, et l'autre qui fait sa pub dans mon chat! Non, je rigole. Tu Là, peux. ouais. Tu peux. Tracasse. Bah, je sais. Bon, bah, j'aurais pas fait. Ah, bah Tu sais voilà. que tu peux le faire aussi de mon côté, hein, mon ami. Oui, En bien plus, sûr. tu sais que je t'ai mis modérateur, hein, de ma chaîne Twitch, mon ami. Allez, je vais devoir faire la police. Ah, voilà, j'ai trouvé où on mettait les palettes. C'est pour le jardin. Ça va, quand ce sera installé, ça va nous permettre. Bah, Ah, je suis moi j'ai séparé. 27. Vous êtes plus vieux que moi. Bah, c'est cool, franchement, une communauté, on va dire, mature comme ça, c'est chouette. Ouais, c'est Bon, vrai. après, je suis pour ceux de 27 ans, pas trop les accepter dans la commu. Je sais pas si ce que vous en pensez. Oh, l'enfoiré. Oh, on s'est rencontrés pour jouer à GTA et maintenant il me dit qu'il veut plus de moi. D'accord, je m'en vais. Ah bah avant d'en aller, viens, on va aller nettoyer le nid d'affecté là. Là là. Ouais, monsieur Jack et moi on s'est rencontrés sur le serveur RP de Attention, attention, Promis qu'on a. attention, attention, attention. Regarde, en haut. Il y a Il y a un hurleur. une belle Oh, il y a des embuscade hurleurs. là. Non, il n'y a pas de Ah oui. hurleur, il a pas de bras le hurleur. Il a raté. Il y en a déjà un. Deux. Trois. Quatre. À fond. Bah, tous les soirs, hein, je lui lis son histoire avant qu'il dorme. Oh. Oh, l'enfoiré Allez, me pique pas tous mes carreaux. Oh, allez, moi non plus, j'ai plus de carreaux, moi. Ah bah, Je m'en fous. prends-les. Tu peux te servir, tu peux ramasser tous les miens. J'en ai encore 21 plus 1 dans le car quoi. Enfin dans le sur l'arbade, pardon. Non, le plus, moi je lis beaucoup. Je lis des histoires à mon fils, moi, c'est pas la même chose. Bah merci pour lui, Bike, si tu peux partager le mien aussi. Bon, on va se faire de la pub, hein, tous ensemble. Ça peut que faire du bien, si ça peut attirer des joueurs sérieux. Ah, du coup, elle t'inviterait sur son Discord. Ça se fait en MP, mais je regarde ça tout à l'heure. Fendeur à cochon, non, c'est puissant, mais c'est pas assez rapide. Ah, j'ai une bombe et un molotov. Ça va être utile pour le nid. Ah d'accord, ok, sorry. Ouais, c'est vu qu'il avait mis le lien de sa chaîne, je me suis dit. Quoi? Je me suis dit que c'était le sien. Je me suis dit que c'était le tien, Arc. Quoi, mon Discord? Ouais, non, ton lien à Twitch. Ouais, mais c'est le mien. Ah bah Mon lien merci de pour Twitch, lui. là, qui est là. Ouais, je sais, je sais. Ah.
Il y a plein de choses ici, mon ami. Ouais, bah pareil ici, hein, t'as des choses à fouiller. En fait, on on fouille, on se disperse. Ouais, on fouille, ouais, c'est sûr. J'ai des trucs à récupérer en bleu, là. Ouais, j'ai un truc à récupérer, là. Ok. L'essence. Attends, Alex, tu parles de SOAD plutôt, non? Si tu connais et que t'as les mêmes goûts musicaux que moi, on va s'entendre. Yeah, all clear. SOAD, mais je connais, moi. Vas-y, c'est quoi? C'est de la musique. Ah, sans deck. C'est ce qu'on fait. Connais, mais je connais SAD, mais je m'en ai jamais. Parce que SOD, je connais pas, mais SOAD, si. Let's hit the road. We're done here. Tiens, récupère. Hop, t'as de l'essence à récupérer là, mon ami. Je suis plein, moi. Attends, alors je vais jeter quelque chose d'inutile que j'utiliserai pas, mais que je pourrais démanteler malheureusement. Ah, attends. Je vais utiliser les. Voilà. Et ouais, toi t'es un bon, Alex, on va s'entendre. Ah, ça c'est ma cam, c'est mon style de musique. Enfin, tous les métals ou presque, je kiffe. Et Korn, tu connais? Popcorn? Non, je rigole. Korn. Mais oui, mais bien sûr que je connais Korn. Bah, j'écoutais ça avant. Ah bah, t'as bon aussi. I gotta rest a sec. Merci, bikeuse. Ouais, merci. Par contre, il faut que je change de personnage, il est fatigué, lui. Je t'en prie. N'oublie pas de déposer tout avant. Ce que je vais faire. Voilà. Réax cette année, j'ai été voir Slipknot et Tenacious D en concert, avant qu'ils ferment tout pour le Covid. Alors, j'avais déjà bien commencé ma saison des concerts. Et je râle vraiment qu'on soit enfermé et que tout soit annulé, franchement. Enfin, enfermé entre guillemets, puisque... Moi, je suis pas du tout exemple de rester chez moi, malheureusement, si je dois aller bosser. Donc là, je profite. Jour de congé. Enfin, jour. J'ai 4 jours de congé, on va profiter, là. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, mais c'est bon. Je suis au bon endroit. Il faudrait qu'on termine vite la quête de ce perso aussi. Parce que si elle a plus d'énergie et qu'on doit la faire, ça va être chaud. Donc viens, on va directement au... À la quête. Attends. Voilà, j'ai mis. Parce que je peux pas switcher de personnage sans annuler la quête. J'aime vraiment l'ambiance selon que ce soit la nuit, le matin, etc. dans le jeu. Je trouve que c'est pas mal, c'est vraiment bien fait. En tout cas, lui, il est bien reposé. On va s'équiper, hop. Attends, parce que là je vais pas du tout là. Ah si, c'est bon. Oh, ce lever de soleil, pardon, c'est waouh. Mon personnage il a bien reposé, ça c'est le personnage que j'ai pris, c'est mon personnage principal entre guillemets dans le jeu en jouant avec mon ami Jake. L'autre c'était pour le remplacer en attendant parce qu'il était fatigué. Ah oui. Tu voulais me tuer, non,
Mais non, mais j'ai entendu du bruit, j'ai cru que c'était un zombie. Ah ouais? Et tu t'as déjà vu des zombies courir? Mais non, mais vu la gueule de tes fringues, sérieux, je crois que c'était un zombie. Problème. T'as un problème? Non, c'est toi qui as un problème. Espèce de chinois vietnamien. C'est toi le chinois, c'est pas moi. Ah, par contre, il y a un zombie en face. Ouais, et c'est un qui explose. Ah ouais. À moi. Esquivé. Chacun son tour, d'accord? Tu vas pas l'avoir. Oh l'enculé! L'enfoiré, il l'a eu. Oh l'enfoiré, bien joué. Oh, c'est trop trop bien quoi, putain, scorpion. Ça, c'est un concert que je veux faire si un jour j'ai l'occasion. Non, 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 non! Ne va pas dans la brume. C'est comme sur Left 4 Dead, faut pas rester dans le truc vert. Je veux mourir, je m'en fous! T'imagines le gars. Je suis maltraité. J'ai entendu du bruit. Ah! Il était bien caché derrière le buisson. Bon, on va à la quête, je sais, c'est tentant, il y a des trucs à fouiller, il y a des trucs à tuer. Une fois qu'on l'aura fini, on sera tranquille. Ah bah voilà, ici tu vas te faire plaisir. Ah, oh, je suis nul. Non, je ne connais pas Sortilège. C'est quoi comme style de métal? Enfin, si c'est du métal, bien sûr. Ou c'est peut-être du pagan, je sais pas. Quoi, elle est où comme ça, toi? Hein? Bon bah je te laisse fouiller, je vais ramasser le restant pour finir la quête. Ouais, mais il y a des choses à récupérer. Ouais je sais, mais on devait d'abord clôturer la quête pour que je puisse switcher de perso. Oh j'ai un pistolet. T'auras mieux, tant mieux. J'ai récupéré un personnellement moi l'arbalète je préfère. Plus silencieux. Ah c'est du métal des années 80. Ok, heavy metal, ok. Je suis pas trop heavy metal. Peut-être pour ça que je connais pas. Rejoins-moi, tu vas devoir prendre un sac, s'il te plaît. Pour qu'on puisse clôturer la quête. J'arrive, mon ami, j'arrive. Ah bah c'est bon. Enfin, tu pourras quand même prendre le sac. J'ai un sac de nourriture là. Ah, t'as un sac de nourriture? Ouais, bah écoute, garde-le. Parce que l'autre, c'est un sac de munitions et j'en ai déjà un. Donc c'est pas super, super, super important. T'as... Et en plus, t'as un frigo à fouiller. Je pense qu'il y a de la nourriture dans le frigo où je suis allé fouiller tout à l'heure. Ah, ok. Bah on ira voir après parce que... Ouais. J'ai encore des choses à fouiller apparemment. Ah. Ah, il est temps que je switch de perso à la presque plus d'endurance. Bah voilà, on peut ramener tout ça. De toute façon, j'ai plus de place pour ce qu'il y a dans le frigo. Ouais, je m'en doutais vu le nom. Après, ça veut rien dire. Si par exemple je fais un groupe à jour, il aura un nom anglais. Donc ça veut rien dire.
my last shot. Alors tu vois ce que tu viens de faire, l'esquive? Ouais. Quand tu es derrière un zombie, appuie sur Y. Oui, je sais. Mais quand tu esquives, ça peut te permettre de lui faire une exécution tout de suite. Oui, je sais. Ok. Si tu sais, je me tais. Je l'ai fait hier. Ah, ok. Bah fais-le aujourd'hui. C'est bien aussi. Moi, je le fais si j'ai envie. Attends. Allez! Putain, mais il me bloque le panache, hein. Il est au plein milieu. Il est où le camp? Il est là-bas, le camp. Je t'ai mis un marqueur, comme ça tu te perds pas. Oh mais t'inquiète pas, je suis pas comme Rorona, hein. Rorona Zoro, lui, il se perd tout le temps. Lui. C'est pas faux. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Bah là au sommet, il y a un grand bâtiment. Tu le vois? Ouais. Où on est? Non, ici, viens voir. Ah oui, je le vois de là. Ouais, je le vois d'ici. Ah, cette ambiance avec l'hélice rouillée qui fait du bruit. Parce que moi j'écoute aussi, j'écoute beaucoup de musique de jeux vidéo, moi j'adore ça. Oh bah on est deux. Ouais, moi j'adore écouter les musiques de jeux vidéo. J'allais dire que le bruitage de l'hélice là, ça fait vraiment penser à Evil Dead. Ah, Evil Dead. Evil Dead, c'est bien ça. Comme... Ah, je l'ai regardé, je sais pas combien de fois ce film. Enfin, en tout cas, le deuxième. Hein. Qui est pour moi le meilleur. Le 3 aussi, il est pas mal. Ouais, mais c'est plus dans le ton de... C'est beaucoup trop humoristique, mais attention, il est excellent. Hein, mais c'est humoristique plus que horreur, alors que le 2 était vraiment équilibré entre l'horreur et la comédie. Vraiment super bien équilibré. C'est vrai. C'était vrai, c'est vrai. Après, il y a eu la série. Ouais, qui est pas mal. Franchement... Ouais, enroulé. Ils ont fait que 2 saisons et ils se sont arrêtés. Ah ça, comme toutes les bonnes séries. Et les mauvaises séries, tu vois, il y a... Ça se finit pas. Ouais, genre Les Feux de l'Amour, Plus Belle la Vie, c'est merda, Joséphine, enfin bref. Et tu sais que même, tu vois, je regardais ma série sur Netflix, Paul Dark, c'est une série excellente. Bah ils ont fini à la saison 5 et que en fait tu vois pas ce qui se passe après la saison 5 parce qu'en fait y a pas de suite. Ah bah c'est logique. Mais c'est chiant. Moi je trouve ça chiant. Bon, je vais enfin pouvoir switcher de personnage. Moi je trouve ça chiant parce qu'il n'y a jamais... quand tu trouves une bonne série ou machin, tu regardes la saison complète avec ta compagne. Tu regardes de la 1 à la 5. Et quand tu vois la fin, le dernier épisode de la saison 5, comment ça se finit, on veut tout de suite voir... Ah, on attend, on regarde... J'espère qu'il y aura une saison 6. Et même pas. C'est inadmissible. Ah, voilà. Je trouve ça inadmissible. J'ai plus de place. Moi, je trouve ça inadmissible. Bah, comment il perd sa main? Bah, c'est très simple. Il y a le... C'est Kandar, je crois, je suis pas sûr. Kandar, le démon qui se loge dans sa main.
Et qui essaye il essaye de s'étrangler lui-même, quoi, du coup. Et il se tranche la main avec sa tronçonneuse. Mais vu qu'il doit continuer à se battre, bah voilà, il se met la tronçonneuse à la place de la main et... comment il s'appelle dans la série, le réfet, voilà. Le réfet ouais. Est là. Non, la série est excellente. Pour ceux qui l'ont pas vu de Evil Dead, je la conseille. Ceux qui ont aimé les films, surtout le deuxième et le troisième, foncez. Elle est terrible. Ah oui, elle est... Exactement. Et en parlant de Breaking Bad, je suis en train de regarder la dernière saison du spin-off de Better Call Saul. Enfin, qui est Better Call Saul, le spin-off de Breaking Bad. Et franchement, j'adore. Franchement, sans vouloir offenser personne, je trouve que Better Call Saul est supérieur à Breaking Bad. Mise en scène, cadrage, même l'intrigue, c'est plus léger. Au début en tout cas, et puis ça devient plus sombre ensuite. J'adore. Puis l'acteur principal, il est terrible, quoi. Bah moi, ce que j'aime bien comme série que j'ai pas, que bah après c'est une série de manga, c'est en fait c'est un gars en fait il représente une entreprise et en fait il doit se battre dans une arène et tout. Et j'attends vraiment la troisième partie parce qu'elle est, je sais plus le nom mais je te dirai ça. Là t'as un truc à fouiller. Ouais je vois. Cassé de produits chimiques. Encore ? Là, j'en ai des produits chimiques. Là, ici, encore une à fouiller. C'est de l'essence. Augmente l'endurance. Alors, discipline. Augmentation de l'endurance, de la limite de charge légère et de la durabilité des armes. Reconnaissance. Bah, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, je prends discipline. Bonjour madame, bienvenue chez moi. T'es pas net, hein, sérieux. T'as pas envie de changer de fringue? Mais non, allez là, on circule là, allez, on continue, on avance. Tant que je trouve pas mon costard, attention, je veux pas. Hurleur. Ouais, bah je le vois bien. Celle-là, il a pas vu venir. T'es pas net. Ah, j'ai le droit de faire des comédies un peu. On est en live, je fais le con souvent, mais pas à ce point-là. Si, je t'avoue. El Camino, c'est ça le titre de la suite de Breaking Bad. Enfin, c'est un film, hein, il me semble. C'est pas vraiment une série. Mais non, si c'est une série, faut que je regarde. C'est avec Jesse, je suppose, hein, vu le nom. Hello, attends, je vais essayer de pas écorcher ton nom. C'est Fallen Wolf, un truc comme ça? C'est possible? C'est ça. Ah, Wolf, ok, bah, je vais t'appeler Wolf. Hein. Ce sera plus, tout de suite plus bien facile et plus sympa. Bienvenue à toi. Ouais, ouais. Ça va? T'as pas le vertige là-haut? Non, ça va, ça va. Je te laisse déverrouiller tous les points, comme hier. Je vais quand même monter pour la vue. Essaie de pas me faire tomber de l'échelle comme sur GTA. Ah ouais. Ouais, c'est ça le film. C'est El Camino, hein, je crois. Mais ne me raconte pas parce que j'ai pas vu. J'ai tout débloqué les points. Il y a un camp. Il en reste encore à débloquer. Apparemment. Comment ça? Ouais, oui, c'est pas à fond. C'est bon. Ah, il en reste encore un. Voilà. Oh, il y a une pharmacie là. Attends. Ouh, des grenades. C'est bon, ouais. Tous les sites sont observés. Et nous, on va se rendre à la maison qui est en jaune. Oh. Bien, bon, ouais, bienvenue à vous, hein. Bienvenue sur le live. Alors, j'ai une partie, c'est la première fois sur le jeu, ça fait 2-3 jours que je joue, pas plus. Pareil, voilà. Et c'est, ouais, j'ai reroll pour justement jouer en coop avec mon ami Argaming. Qui est là. Ouais, bonjour. Non, je fais les cons, je fais souvent le con, hein, vous inquiétez pas. Il vaut mieux faire le con que de l'être. C'est sûr. Il y en a qui ont pas ce luxe, crois-moi.
Bah ça veut rien dire. Ah bon, j'ai cru que tu disais que j'étais con. Non, peur. Pas du tout, pas du tout. Avoir une attaque cardiaque. Franchement. Non. Ouais, il stream aussi. Tu peux t'abonner à son à sa chaîne. C'est Argaming Live, hein, comme. C'est ça. Comme son pseudo ici dans le jeu. Je stream, c'est vrai. Enfin, t'abonner, followé, pardon. Ouais, follow. J'y arriverai. T'arriveras un jour. Mais dans mon lien, de toute façon, sur ma chaîne Twitch, j'ai plusieurs liens. J'ai mon lien, qui a accès à la chaîne YouTube aussi, parce qu'en fait, ce que je fais, en fait, quand je stream aussi sur Twitch et YouTube. En fait, je stream sur les deux plateformes. On est exactement. Ouais, je fais un live en même temps. T'as un sac ou pas? Non. Attends, tiens, prends ça. C'est quoi? De la bouffe. Ah, de la. Voilà, je stream en même temps sur YouTube et sur Twitch. Là. J'ai pas repris des lives parce que j'avais un petit problème avec mon deuxième écran. Maintenant j'ai l'image sur le deuxième écran, du coup je vais reprendre comme je faisais avant. Du coup voilà. Voilà les nouvelles. Bah écoute Alex, tu fais ce que tu veux. Ah bon, il y tient donc fais-lui plaisir. Sinon, oui, je suis d'accord avec toi que Jesse est le plus normal de la série. Je trouve, à part peut-être la femme de Walter, qui est chiante au possible, qui est même un des personnages de série un des plus détestés, à part elle, tous les autres personnages sont très très bons. Surtout le personnage de l'homme de main, Mike, qui est justement repris dans Better Call Saul. Oui, je l'adore aussi. Et Gustavo Fring. Il parle de toi, je dois te follow ou de moi là? De toi. Ah, mais t'es pas obligé, hein, oula, moi je force personne, hein, oula, vous avez. Tu vous forces personne, mais tu fais ta pub non-stop, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Ah non, je dis juste, en fait, je explique juste comment je stream. Je te taquine, calme-toi. Je suis calme. Moi je suis pas calme, je suis plein là. Donc je retourne à la base. Attends, viens, sauf si 13 de la place, monsieur 12 places. Il me reste une. Ah bah, prends quelque chose et après viens. Ça marche, bah je cherche là. Attends, je fais de la place autrement moi. C'est bon, je suis plein. Ok. C'est bon, on peut retourner à la base mon ami. Ok. Vivement la voiture, hein. Comme ça il y aura plus de problème de. Oh bah on est juste à côté, ça c'est cool. Ouais, franchement c'est cool ça. Et ouais, déjà une heure de live, eh ben. J'ai pas vu le temps passer. Hein. On s'amuse. On s'amuse, on parle aussi, on délire ensemble aussi, c'est vrai, ça passe très très vite, hein. Ça passe très très vite. Voilà. Ouais. Si tu as assez de nourriture, genre si t'en as plus de 10, n'hésite pas. Hein. Non, j'en ai pas plus de 10 et tout. Non. Non. Avec ce que tu vas te poser, normalement ça t'a remis un peu à flot. Je vais aller vérifier pour la palette maintenant. Ouais, vas-y. Alors, Ah, voilà. J'ai pu augmenter le jardin. Ah bah nickel. Je regarde ici. Non, rien. Je vais aller voir l'infirmerie.
Et toi, Wolf, tu es bon sur le jeu? Tu joues depuis longtemps? Enfin, si t'es toujours là. Bon, il y aura une quête à faire ici. Enfin, je crois que c'est une quête. Ouais, c'est ça. Ben, on va aller lui parler parce que si ça se trouve, c'est lié à la maison qu'on doit aller clean. Ma partie. Ah oui. Oh, oui. Donc tu connais bien bien le jeu, quoi. Ah, figure-toi que moi j'ai attendu de retrouver un PC potable pour pouvoir y jouer. Et vu qu'il venait de sortir sur PC, bah j'ai craqué, quoi. Forcément. Keep your head on. J'ai I'm going to clear out an infestation. If we want to survive, we can't let the zombies take over our town. Good luck on this one. You'll need it. Hey. Bah moi c'est lui qui m'a fait craquer pour l'acheter le jeu. Il m'a dit tu verras il est bien. Bah ouais, bah il est trop bien. Parce que mon papa il jouait aussi, je connais un peu, mais je voulais vraiment l'acheter, mais je ne le trouvais pas. Regarde. Oui, mon... Oh! J'ai pris Allison avec nous parce Pourquoi que elle faire? a un grand sac. Ça nous fera moins d'aller-retour. D'accord. Du coup, voilà, moi, ouais, c'est Monsieur Jack qui m'a fait craquer pour jouer pour avoir le jeu. Il m'a dit, ouais, en fait, je l'ai vu jouer au jeu sur Steam. J'ai dit, mais c'est quoi comme jeu? Il me dit, mais c'est un jeu de survivant. J'ai dit, ah. Ouais, je te l'ai pas vraiment vendu comme ça, mais ouais, c'est plus ou moins ça. Ouais, bah tu me l'as vendu comment? Je dis Je t'ai expliqué que c'était un jeu de survie entièrement jouable en coop avec un aspect gestion de base. Enfin, voilà, on a tout le tout team. J'ai pas dit Ouais. VS, c'est un jeu de survivant. Non, non, mais tu me comprends quand je dis ça. Je te taquine. Je sais, Bah. t'inquiète pas, je le prends pas mal, mon ami. Aïe. Guess I'm not so effective with the sneaking. Ah zut, j'ai encore trouvé un costume. C'est dommage que t'as pas encore débloqué. Bon, tu t'occupes de nos invités? Bien sûr. Voilà, c'est fait. Mets-les bien, hein. À l'aise, confortable. Bah, il est bien confortable avec une tête à moitié décapitée, mais ça va. Oh, il est bien là. Il est très très bien. Comment allez-vous, monsieur? Comment allez-vous, monsieur? Ça va? Bah franchement, tu l'as... Il reste sans voix. Ton bras à côté, ça va, c'est bien. T'es confortable, c'est bien. Et voilà, une maison entièrement... Ah, par contre, je vais peut-être la revendiquer parce que y a des lits. Bah vas-y, hein. Revendique, Ça nous vas-y. fera deux lits en plus. The outpost is up and running. Ah, du coup, on est dans une autre nouvelle zone alors. Non, on est toujours dans... C'est un avant-poste, c'est pas une base. Ouais. C'est un avant-poste. En fait, des avant-postes te permettent d'être en sécurité, enfin, un petit peu en sécurité, pas totalement. Et d'avoir des ressources en plus, genre nourriture, médicaments, des Ah, lits, etc. ça veut dire quand tu récupères de la nourriture, ce que tu récupères dans l'avant-poste, ça va dans C'est le ça, lieu où on est t'as actuellement. tout compris. À part les lits où ils servent à avoir plus de place, dans plus de lits, pardon. Mais le reste, ouais. Après, D'accord. je peux me tromper, je débute sur le jeu. Hein. On est tous les deux à débuter, hein, sans discrétion. C'est la première fois que je joue à un vrai jeu comme ça, parce que c'est vrai que moi, les jeux de Je base... dépose des choses au sol, ne les ramasse pas, d'accord? Oula. C'est pour Alison. Ah oui, mais non, je suis con, je peux pas basculer de toute façon. Project Osiris, dispatch. POTUS is code 34. On doit d'abord faire la Exfil en mission. route. Et ensuite, je pourrais basculer. Contact. Bon, écoute, vu qu'on est à côté. Tu sais que t'as deux trucs à fouiller là? Je sais, mais je suis plein. Ah, t'es plein.
Ouais, okay. il faut vraiment qu'on trouve une voiture. Tu m'étonnes. Et voilà, mais c'est vrai que ce petit jeu, ça fait 2 jours que je joue avec toi en cop. Hein. Je l'ai commencé en solo. Mais franchement, c'est pas mal hein, ce petit jeu. Franchement. Oh, petit jeu. Non, mais je me comprends, petit jeu vraiment que je pense que je vais jouer vraiment énormément de temps dessus. Hein. Ah, bah, je pense aussi. Hein. Je vais faire comme Wolf. Hein. Je vais peut-être pas viser les 1000 jours de jeu, mais. On verra bien. C'est énorme. Après, moi, sur le jeu, le plus que je jouais, c'était sur Conan Exile. En tout premier, j'ai plus de 1000 heures de jeu. Ou plus de 100, je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué. Je suis aussi sur Anno 1800. Par contre, sur Anno 1800, là, je suis à plus de 45 heures de jeu. Final Fantasy, je suis à plus 100 heures de jeu aussi. Fabrication accessoires et arbalète. Démantèle les pièces d'armes, tu vois, cassées là. Pense à le faire. Réparer une arme de corps à corps. D'accord. I was always such a sucker for strays. Dogs, cats, you name it. At one point, I had 4 chihuahuas, an 18-year-old cat and a turtle. I still don't know why my roommate didn't kill me. Mais c'est bien, moi en tout cas, si on fait partie d'une petite communauté de jeux comme de gens qui jouent à le jeu. Non, je vais garder cette arme là, c'est la plus rapide. Bon. Allez, bon, ce qu'on va faire, on va directement aller à la maison, on fouille pas. Et sur le chemin du retour, si on a de la place, on fouillera. Là, je pourrais switcher. Ça marche. Je pourrais switcher, okay, sur l'autre personnage. Ça marche. Parce que je sais pas si vous êtes beaucoup dans le cas, mais moi j'ai une maladie dans les jeux où on peut fouiller, c'est que il faut que je fouille absolument chaque centimètre carré. Ah, c'est quoi ça? Ah oui, ok. C'est l'autre enclave qui a besoin de notre aide. Mais bon, on fera ça après. D'accord. Hop, ça c'est fait. On se la fait discret pour approcher la maison. Oh. Oh, t'as une tonne de trucs, t'as une tonne de ruches là. Ah ouais, du miel. Enfin, je suppose. Ah ouais, eux ils sont foufous. Vas-y, reste camouflé, cache-toi et essaie d'en dégommer un ou deux avec ton arbalète. J'ai plus de flèches. Ah, t'as plus de carreaux, ok. Non. Attends, je fouille quand même dans les ruches là. Ah, c'est de la bouffe. Bon bah, je prends, ça peut toujours servir. Ah ouais, carrément toi, en mode G.I. Joe. Ouais, c'est ça, en mode cap. En mode on défonce tout. En mode on se fait affecter et on perd toute sa vie. Surtout. Ah non, je suis pas affecté moi. Ça va. Locked. Allez. I spy a screamer. Non, 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 attends. Oh! Putain, oh, oh. Le PNJ qui est rentré, quoi. Oh, il y a du hurleur que j'ai décapité là. Sérieux, il est rentré? Ouais, il est rentré sans forcer la porte. Ah, bah bravo. J'ai récupéré un sac cadeau de 6 places. Ah, tu peux vraiment les laisser
parce que le minimum qu'on a c'est 6 places donc ils ne servent à strictement à rien. Enfin je pense. À mon avis c'est parce que t'es rentré dans la maison que... Que le bot a pu rentrer dans la maison tout de suite sans forcer la porte. Alors comme je t'ai expliqué hier, là pour l'instant c'est facile. C'est des petites maisons sans prétention, etc. Par contre, rentrer dans le tas comme tu viens de le faire plus tard, tu verras, tu comprendras tout de suite que c'est plus possible. Oui, mais j'ai compris. Je sais que tu risques de mourir le double. Alors... Ah oui, j'ai encore une compétence qui est montée au maximum. Déverrouille le garage, confectionner des kits d'amélioration véhicule, et l'autre c'est fabriquer des accessoires de canon. Bon, le garage, c'est mieux. Hein. Ouais, niveau max de cuisine, yes. Vas-y, spécialiste toi en chef sushi. Lol. Non, je rigole. Yeah. Alors, comment on fait déjà? Ah oui. Bien, bonjour Baron Samedi, le fameux personnage de la culture vaudou. Bienvenue à toi. Oh, il reste encore un... Ou alors je t'ai tiré ça de Senro, qui est un personnage aussi dans Senro. Oh, j'ai deux... Astuce et j'ai deux trucs qu'on... Alors, organe de l'endurance, de limité d'échange, ok. Ou infiltration plus rapide, intégré plus secret et visibilité réduite auprès des ennemis. Prends le premier. Le premier ? Ouais, prends le premier. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va à la cuisine. C'est fait, ça aussi ? Oui, bah attends, amélioration de rendre... Ah bah t'as raison, moi aussi j'adore les zombies, surtout quand je leur tranche la tête. Pendant que tu regardes ça. Amélioration de la production de nourriture, de cuisine. Améliore considérablement le bonus de mort des festins, ok. Déverrouille les... Shinak Nurtik, ok, réduit malure. Ouais, ok, j'ai du mal à lire, excuse-moi. Hein. Je sais pas. J'ai restaurateur, restauration et. Choisis un des deux, hein. Tant pis. On va prendre un restaurateur. Yes. Allez hop. Ah voilà, je peux lui donner le sac. C'est... Bah oui, sur ma première partie, donc la partie solo, parce que j'adore d'abord faire un jeu vraiment solo et après passer sur le co-op, bah pareil que toi, je fais absolument mais tout au millimètre, je prends mon temps pour tout. Tu pouvais pas me le laisser, hein? C'est vrai, t'en as pas assez tué encore aujourd'hui. Eh, regarde. Oui, il y a une voiture. Oui, mais en plus, c'est pas n'importe quelle voiture. Elle a plus de place que la plupart des autres véhicules que j'ai déjà vu dans le jeu. Ah ouais. Ah ouais, mais attends. On va essayer de pas la casser. Voilà. Ah, c'est bon ça. Zeds are out and about. Y a pas vraiment de route hein, ici. Get ready. Horde incoming. Tu veux aller où? Bah je retourne à la base. Hein. D'accord. On va déposer. Oh là là, mais elle a pas de. Soit c'est parce que on est sur la terre, soit c'est la camionnette qui n'a pas d'adhérence. Oula, il y a des zombies là.
Ouh, tu les as bien dégommés. Appuie un peu sur sur X. Voilà. Quand on passe près d'un zombie, tu fais ça, d'accord? Ah ok, vas-y. Attends, faut retrouver. Ah voilà. Ah. Vas-y. Voilà. Oh, les dégommes. En fait, jusqu'à ce que tu perdes la portière, tu peux faire ça. Mais les véhicules s'abîment vraiment très vite au début. C'est pour ça qu'il faut les renforcer. C'est pour ça que je me suis spécialisé dans les garages aussi. D'accord. Oh, il y a un gros sac là. Ouais, mais on va pas foncer dedans parce que s'il nous pète à la gueule, on va se prendre un malus. D'accord. Ouais, bah, je dois refaire le tour pour aller à la base. Il me reste plus qu'à travailler pour les différentes communautés pour préparer mon futur groupe de 3 survivants. Donc tu parles de l'héritage, Baron? Par contre, on a presque plus d'essence, hein. Ouais, mais tracasse, on en a à revendre à la maison. C'est vrai. Oh putain, non, 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 non. Pas lui. Pas lui, pas lui. Ah, merci Globox pour ton follow. Bienvenue dans la communauté de Jake. Ouais, je m'appelle pas Jake, c'est mon personnage sur GTRP. Ouais, mais je... Comme toi, tu t'appelles pas Ross. Non, moi je m'appelle Arc Gaming Live. Voilà donc. Et c'est pas facile, hein, de rejoindre le. Va falloir que. Ah oui, c'est ok, ok, d'accord. Donc t'as la route qui fait ça. Ah, ok, d'accord. Et regarde, ici il y a emplacement pour se parquer. On a, ouais. On a deux places pour l'instant. Alors, voilà. Oui, tout à fait, pour pouvoir changer de secteur et partir avec des survivants en petits oignons, parce que je compte augmenter la difficulté. Ah bah, tout à fait, hein, je pense que je vais faire pareil sur le long terme. Maintenant, je débute, donc ce sera pas pour tout de suite, tout de suite. Damn, that's locked. Ah bah... Alors, c'est le garage. Avant-poste potentiel. Changement de personnage. Armoire de fourniture. C'est bizarre, bizarre, bizarre. Oh, deuxième avant-poste si proche. Bon, on va déposer tout notre butin. Ah, mais il y a des choses dans la bagnole. Ah bah, il y a quoi? Il y avait un truc de soin et une machette. Ah bah vas-y, fais-toi plaisir. J'ai pris des médicaments pour me soigner parce que... Autrement, je vais... Voilà, nickel. Je suis complet en vie. Ok, attends. On n'a pas encore fini. Parler à Allé pour découvrir ce qu'il se... Ok, d'accord. Où est-ce qu'elle se trouve, Allé? Elle est au jardin? Ouais, elle est au jardin. Attends, je vais lui parler. Hey, you're not dead. Ah oui, c'était la seule, t'es le seul à vouloir leur parler. Parce que moi, si tu serais, on serait dans ma partie, c'est moi qui parlerais à tous les PNJ. T'as tout compris.
Alors, il s'est enfui avec notre nourriture et a foncé à l'intérieur du corral. Si on laisse les gens nous voler, ça ne s'arrêtera jamais. Je vais régler ce problème. Ok, l'installation de la palette, ça prend vraiment beaucoup de temps. Oh, il y a un zombie boursouflé. Boursouflé. Où ça? Qui est pas très loin de notre base. Tu vois où on est? Oui. Tu vois où on a mis l'avant-poste? Tu vois, il y a un truc de. Il y a. Ah oui, t'es sur la carte. T'es sur la Ouais, sur la carte. carte, par contre, on a un truc de nourriture là. De avant-poste. Mets un point, mets un point, mets un point. Ouais, Ici. ok. Bah moi il est fait, hein, il est vidé. Il a été fait. D'accord. Notre avant-poste lit, il est juste à côté. Hein. Dans t'as l'espèce de rond-point, on va dire, Il est là. de route, et on a juste Juste ouais. là. Par contre, on va faire cette quête-là comme ça. Je pourrais switcher de nouveau de personnage. Il y a un truc là à faire, je crois. Pas se rendre. Ouais, bah c'est là où on Ah doit. bah voilà. Ah bah nickel, j'ai mis l'affichage. Alors attends, oui, je pense que pour la troisième map je mettrai la difficulté maximum, mais pour celle-là je pense recruter des gens du Red Talon. Bah ouais, tout à fait. Hein. Je suppose qu'ils sont beaucoup plus puissants que les survivants de base. Maintenant, je connais pas tout, mais j'ai fait une partie en mode survie où on doit repousser des vagues et c'est là que j'ai connu le Red Talon, bien sûr. Ah, j'ai récupéré des briques, hein, mon ami. Parfait. Parfait, Vais parfait. juste les poser. On va coincer ce sale petit voleur. Alors, Félix. Je n'ai pris qu'un peu de nourriture, je crève de faim. Alors soit je peux lui demander de nous rendre, je peux lui demander de nous le rendre gentiment ou l'attaquer. Non, je vais rester amical. Rends-nous ce que tu nous as volé, je te laisse partir. C'est un futur allié potentiel, donc on ne le tue pas. Stranger. We should probably avoid Ouais, je him vais for le now. défoncer. Fais pas ça, s'il te plaît. Non, je rigole. Regarde-le, il Oh, s'enfuit à toutes jambes. tu vas où? Tu vas. Oh, il a un sac de nourriture. Laisse-le, laisse-le, laisse-le. Voilà. Je vais pouvoir aller vider le sac. La carte elle est quand même Ah grande oui, hein. d'accord, je vois, oui, la mise à jour de juin, effectivement. Pourquoi il y a une Effectivement. mise à jour en juin? Ouais, je t'en ai parlé hier soir. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Dans 1 minute 30, la palette sera enfin installée. Je vais aller voir à l'infirmerie s'il y a moyen de moyenner. Non mais c'est bon, ça avance bien. Nickel. Je vais aller déposer. Hey, what's up? Ah bah c'est bon, ça a été fait. Ça veut dire que je lui avais rien mis dessus à mon avis. All right, everybody, let's get our shit together. Zombie attack is imminent. Ah bah on va se faire attaquer. Ah, encore? Ouais. Bon, tu prends le devant cette fois. Ouais, je vais prendre le devant, ouais. Ok. Donc tu te mets Allez. vraiment. Regarde, tu vois, on a un petit timer là. Dans 10 secondes, ils vont nous attaquer. T'inquiète.
Allez, moi je vous attends. That screaming means we're under attack. Ah, ils m'ont pas encore attaqué. Hein. De mon côté, ils sont en face, j'en vois. Ça arrive. Ah. Ça oh. Va, tu gères? Bah les PNJ sont tous derrière, donc ouais, je gère. Ça c'est fait. Ah, ça passe pas les portes. Kill it, for real. Voilà, on les a tous piqués. Hey, look at us, we're alive. Ouais bah il en reste hein. Ah mon esquive n'a pas fonctionné. Oh lui il va me saouler. Merci Alex. Ah je fais mon possible. T'as les munitions gratos, toi? Ah, il est bladé, hein. Quand tu vois qu'ils ont gilet pare-balles, etc. Et c'est juste de l'esquiver et tuer par derrière, ça les tue instantanément. Tu useras moins de munitions. Ouais, ça marche. Ah ouais, c'est bien, rond-point, hein. J'avais bien vu, hein. Panneau et tout. Petite pause, je vais voir un coup. Yo, what's up, neighbors? You sure could use a hand over here. Ah. Je vais aller à la salle de transmission apparemment. On peut faire des choses aussi. Affluence amassée pendant... Voilà. Sortie de région disponible. Ouvrir l'écran de la base. Ah ça c'est chouette. Ça me permet de voir les places libres. Voilà. Pendant 46 minutes, on a 10% d'affluence en plus. Ça marche. Par contre, moi, c'est temps que je change de perso. Dans 10 minutes, hein. Ça va. C'est le temps de sa charge. Il y a encore des zombies. J'entends. Ouais, ouais, ouais. Viens, on va aller clean ça. Ah, ok. Ça, zombie tétraplégique. Voilà. Par contre, moi, je vais changer de perso parce que il faut que lui, il est fatigué. Ah oui, Alex, il fait nuit. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien géré les atmosphères selon l'heure de la journée. J'espère qu'il y a des effets météo. Peut-être que Baron samedi pourra nous éclairer sans vous faire de mauvais jeu de mots. Allez. Ah bah je vais pouvoir faire de Ali le chef de la communauté. Constructeur, ouais, ça tombe bien. Hein. Donc elle permet de faire des tours de tireurs d'élite, des casernes et des générateurs. Je sais pas. Dans ma partie solo j'ai mis plus le côté ressources et survie. Après on peut démettre quelqu'un de ses fonctions donc. Ouais, je vais la choisir.
Ah, pas mal ça, Baron. Pas mal. Ah bah oui, je le trouve déjà pas mal joli pour un... Pour un jeu qui est console à la base. Il est vraiment bien. Bah j'en sais rien. Ce serait bien qu'il y en ait, mais après... Ici on est dans une map de type désert, genre Colorado. Donc non, il y a... Enfin, il peut y en avoir, mais c'est très très rare à mon avis. De quoi? Il y a pas d'orages. Des orages. Ah, des orages. En tout cas, j'en ai pas encore vu. Good to see ya. All right, it's your turn. Je vais le reprendre, il est full vie. Hey buddy, I almost missed you. Maintenant qu'on est à la voiture, plus obligé de se prendre la tête. En plus, on a la chance, on a une voiture qui peut mettre beaucoup dans. On peut stocker beaucoup dedans. Non, il n'y a pas d'effet météo dynamique sur aucune des quatre maps. Ok, merci, Baron. Ok. Tu sais, prends ton bidon et venir à la voiture, s'il te plaît. À mon avis, soit ton micro ne va plus, soit tu es AFK. Qu'est-ce qu'il y a? Je te demandais de venir jusqu'à la voiture avec un bidon d'essence. Bah, il faut que je le prenne dans la réserve. Ouais, c'est ça. Ouais, Alex, il y a beaucoup plus de zombies la nuit. Il y a des hordes. Et franchement. Je parlais avec ma famille, c'est pour ça que j'ai juste coupé mon micro. Ah, mais il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci. J'ai entendu dire que tu avais besoin de bidon d'essence. Voilà, j'y suis. Ok, tu te mets sur côté réservoir et tu remplis. Voilà. Ça fait un beau bruit. Bon, attends. I'll be right there. That's good to hear. Oula. Casse pas la portière. D'accord. Oh là là. Oh là là. Ah bah franchement, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Heureusement qu'on a fait le plein. Sérieux, à Bies Rocher, on se bloque? C'est pas GTA. Ah merde. Attends. Ah, c'est le comble, sérieux. Oh non, sérieux. Ah là, tu l'as bloqué. C'est de ma faute, il y a un simple rocher nous bloque. Non, arrête, 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 arrête. Sors. Je vais tester un truc. Oh, il explose lapin. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais faire. C'est ce que j'allais faire. Franchement, c'est la première fois que ça m'arrive dans le jeu. Je n'ai jamais eu de problème de pilotage. Voilà, boss. C'est le moment de mettre la musique de X-File. Oula, pourquoi tu l'as détruit? Quoi? Ah non, je pensais que t'as détruit la bagnole. Non, non, c'est pas GTA, je te rappelle, on a un véhicule, si on le perd, on le perd. Hein. D'accord? Faudra le réparer. Je sais pas si ils sont destructibles à 100%, mais il faudra qu'on le répare si on le perd. Pareil, c'est pour ça que je n'écrase pas tous les zombies. C'est parce que si la voiture est trop endommagée, on ne sait plus rouler. Ah, mais elle a aucune adhérence, cette voiture. Mais c'est bien, ils ont prévu, ils ont trouvé une option pour pallier à leurs problèmes.
de véhicules ou de personnages qui se bloquent. C'est pas tous les jeux qui y pensent, c'est bien. Attends, parce que là... Voilà. Oh, c'est trop bien. Si tu klaxonnes, ça fait beaucoup de bruit. Hein. Ça attire les zombies. Oui, j'avais compris. Ah ok, Baron. Bah merci, merci pour les infos. Tu vas finir par casser la portière. Hein. Pardon. Peut-être pas pris la map la plus facile. Hein. Ouais, c'est... j'avoue, t'as pas pris la map la plus facile, ça c'est sûr. Hein. Sur la map où je joue en solo, c'est fou. Tu dois rentrer dedans. Ah merde, c'est pas du bon côté. Salut Captain Toto, bienvenue parmi nous. Can't do it. I have to rest. C'est fini, oui, ce boucan. Oh, le ralenti, trop bien. Oh, comment les gars dégomme. Ah, il y a encore un zombie là. Ah là, il n'y a plus de zombies. Pour le moment. Ouais, pour le moment, ouais. Maybe we can trade this to someone. Found something. Oh, est-ce que tu veux un sac à dos de 12 litres, mon ami? Ah bah franchement, je ne sais pas, j'hésite. Bah oui, bien sûr. D'accord, bah oh, on va se calmer, tiens mon ami, je te donne ça. Voilà. Merci. De rien. Ça va faire du bien. Bah non. C'est 12 livres, mais c'est 8 places. Oui, bah je comprends. Ah mais non, mais j'ai déjà. Bon, on va parler en place, ce sera mieux. Oui, tiens, comme ça tu équiperas tes autres personnages avec. Ouais. On va parler en place, pour la clarté, c'est mieux. Wow. Oups. Fais gaffe, il y a des zombies, hein. Oh, ah bah j'ai de quoi réparer la voiture, c'est cool. Ah. That's my last reload. Désolé. T'es infecté, faut que je te tue. Ah, elles sont dégueulasses. Elle est dégueulasse la tenue. Il faut vraiment que tu trouves un vieux costume. Hein. Ça ira bien. Ça t'ira bien. Ah, générateur portable. J'ai un générateur portable, mon ami. Bah, on va pouvoir l'équiper dans la planque, c'est cool. Ah, je l'ai mis dans le coffre. Merci. Attends, bah je vais... En fait, dans le coffre, c'est principalement les gros sacs. Et ce genre d'objets uniques.
C'est parfait. Ce que je vais, ce qu'on ne met pas, par contre, c'est les tout ce qui est objets stackables. Tu vois, où on peut en mettre plusieurs. Attends. Avant de partir, on part pas. Hein, on fait la mission ici. Viens. Eh, y a une mission là. Ah oui, c'est pour ça qu'on est venu. Ah oui, d'accord. Mais je me suis garé à l'écart parce que je ne trouvais pas l'accès. D'accord. Ce que je vais, eh bien sur le poids. Joue sur ta consommation d'endurance. Tous les gros sacs à dos, c'est-à-dire les plus gros, ont 8 places. Par contre, le poids change. Ok, d'accord. Ça vient d'une maldonne d'hier où j'avais mal compris. Il m'a dit 12 litres et j'avais compris 12 places. Et c'est depuis, c'est resté. Donc, le max, c'est 8 places. Ok. À mon avis, c'est pas à moi qui tu veux parler. Mais... Ok, c'est bon à savoir. Eh, hey, Tony. Tony de Koh Lanta 3. Ok, je vais faire quelque chose. Jake, notre imbécile d'apprenti, merci, a planté notre camion. Ah bon, il a regardé le live à mon avis. Et l'a abandonné quand une horte s'est pointée. Tu peux m'aider à récupérer le sac rempli de pièces auto qu'il a abandonné? Bah bien sûr mon petit. T'es où? Qui, moi? Je fais le plein de la bagnole. Ah ok. Je vais fouiller leur maison. Certainement des bons objets. Oh, par contre, j'ai des cocktails Molotov. Je pourrais les balancer. Ah bah, fais-toi plaisir. Right. Et c'est quoi la... Donc, il vaut mieux un sac 8 places, 8 kilos. Si on reste logique. Encore de l'essence. Parfait. Ah, je peux encore revendiquer. Je peux revendiquer la maison, mais bon, c'est des lits. Ça, on en a pas besoin pour l'instant. Tout à fait. Tu consommes le moins. Tu consommes moins vite ton endurance. Ok. 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 Donc mon sac, ouais, c'est 12 livres. Hein. C'est... C'est bien. Apparemment, on partage pas le même inventaire dans la voiture. Si t'as déposé des trucs. Ça, c'est cool. Ça veut dire qu'on peut encore plus prendre plus de choses. Ah, si on partage le même inventaire, moi je peux prendre le sac de soins. Ah bah ça va, alors viens. On va à la mission. Bah c'est pas loin, hein, c'est juste là. Après, tu verras tes personnages d'âge, leur trait leur trait, ouais, T-R-A-I-T, pas T-R-E-S, influe sur le type de compétences qui peuvent débloquer. Il y a une compétence qui ne s'utilise que si tu as 6 kilos, ça te permet de courir sans consommer ton endurance. Ah, ok. Quoi? Ah bah elle est là la bagnole. Ouais, attends, on va clean, il y a des zombies qui arrivent. Ah ouais. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les indications, Baron. Oh man, a truck is trashed. Let's hope the parts are still there. Hey folks, Twain here from the network, giving you the straight dope as always. Look people. Retourne à là où on a pris la mission. Remember our leaders? The ones who got us into this mess? But what I'm hearing...
understand is that they're all safe and sound in bunkers on tropical islands. Précasse, Baron, y a pas de souci. C'est moi qui suis trop à cheval dessus. Tu dois aller où là? Là où on a pris la mission. Tu as ramassé 45 pièces à l'arrière du véhicule. Tu vois les espèces de boulons? Ouais. Mais avant toute chose, viens ici, descends. On va fouiller. Toi, t'as vu un véhicule, t'es tout foufou, mais faut qu'on fouille. Nothing moving around here but the living. Ah, l'important c'est qu'on ait compris. Ce que tu as voulu dire. Ah, du coup, je vais faire attention à ce que je dis. C'est bon pour moi, j'ai tout fouillé. Tiens, j'ouvre la porte. T'avais l'air de vouloir venir. Donc, est-ce que tu as récupéré les 45 boulons qu'il y avait à l'arrière de la voiture? Ah non, même pas. Ah, c'est bon, ok, j'ai compris. Voilà. C'est bon, j'ai récupéré. Bah, la voiture, on va la garder, hein, du coup. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pas être glatte de moi sur celui-là. Staying safe out there? Faut que je te donne les 45 boulons, non? Non, viens, parle à... Attends, je crois que je peux lui parler. Ouais, faut que tu me les donnes, ou alors que tu parles à Tony. Il est juste là, il est juste en face. Hey. Non, il faut que je te les donne. Alors, je te les donne. Tu m'étonnes, Baron. Tiens. Merci. De rien. Sure. Bah c'est cool, on est une communauté de, à part le petit jeune de Wargaming, on est une bonne communauté de presque et de quarantenaires. C'est cool. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que t'as que 27... Bah tu n'as que 27 ans. Et alors? J'aime bien quand on me dit grand. C'est pas petit, moi. Est-ce qu'au niveau d'essence c'est bon pour toi? Faut que je fasse le plein. Mais ouais. T'as pas? Si. Mais si. Faut que je te trouve le réservoir. Ouf! Ah, faire le plein. Il m'a pris une méchante bastos. Ça te fait quel âge, Captain Toto? C'est bon! J'ai fait le plein. Ah ouais, d'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Baron. Surtout que t'es comme moi, t'écris des gros textes. C'est bon, t'as fait ton plein? Ouais. Ah, ok, nickel. Je check. Ok. Voilà. T'as été tout droit? Oui. Tu sais qu'il y a des crevasses, des rochers, enfin, bref. J'espère que tu trouveras la route. Ah, ok. Oh, je les dégomme, les zombies. Ouais, fais attention à la durabilité de la voiture, sinon ça va.
Oh, il y a des trucs qui arrivent. Des ondes. Des... Comment ça s'appelle? C'est pour les antidotes, là. Ah, des... Ouais, je vois. Des échantillons. C'est ça. Oh là là, la dure... La... La tenue de route est merdique sur ce véhicule. T'en me colle pas trop parce que tu me rentres dedans. Mais c'est toi qui je te tue, je t'ai même pas. Écoute, j'essaie de me repérer, y a pas de route directe. Ah oui, d'accord, ok. À moins de faire un méga détour. Ah bah ça va, t'es plus vieux que Ark. Pourquoi? Ah parce qu'il a 27. Non, il a 29, ouais. Je vais sur mes 28 cette année là, déjà. Ouais, allez, 27 et 3 quarts. Bah en juillet, je vais sur mes 20. Ah bon? Le combien? Ouais. Le 9. Ah! Ouais, mon père c'est dit, le... mon père c'est le 4 juillet. Non, je... bah non, sinon je te l'aurais dit. Parce que moi c'est le 26 juin. C'est... Ah c'est... oui, c'est toi, c'est le 26 juin, c'est vrai. Eh, c'est pour ça qu'on s'entend super bien. C'est... Bah ouais. On fait partie de l'élite. Ouais. Le meilleur c'est signe. N'oublie pas de... Je sais pas si dans ta voiture t'as déposé des choses. Non, y a rien, j'ai regardé. Ok, dans la mienne, regarde un peu parce que je sais pas si l'inventaire est partagé ou pas. Comme ça, je t'expliquerai. En appuyant sur la touche. Attends, c'est quoi sur Xbox? Parce que moi j'ai une main. Je joue RB2, c'est possible? C'est RB1, RB2? Y a rien. Okay. Y a rien dans ton coffre. Ok. Sinon, si t'appuies sur la gâchette droite de ta manette, tu transfères directement tout. Dans la réserve. Something must be wrong because I actually like it here. Quand je vais changer de personnage. Le son est bon. C'est une référence à quelque chose. Alors, je pense que c'est une bonne idée de se chercher une nouvelle base. Tu ne saurais pas par où commencer. Viens avec moi. J'ai vu quelques endroits sympas. Ça commence un petit peu de manière érotique. De toute façon... Ah, voilà. Installer un générateur portable. Il utilise du carburant, on en a pas besoin pour l'instant. Par contre, installer un mini réfrigérateur permet de la réserve de nourriture médoc plus 2, plus 5 avec électricité. Donc sans électricité, on en a plus 2. Donc j'installe ça dans la chambre. On a même un mini bar maintenant. Je me réjouis vraiment que tu trouves un costume. Ah, on n'a pas de briques. Hein. On n'a pas assez. Non, ils en manquent, ouais. Deux. Ça va, ça remonte ta nourriture ou pas? Je sais pas, on en est où? Bah chez moi il y a 14, je sais pas si t'as la même. Moi je suis à 0. Ah t'es à 0. Moi de mon côté, station de la base, 0.
Ah, ok. Statut de la base, t'as 0. Je suis à 0 nourriture, 2 soins, 0 munitions, 3 briques, 166 des houblons là, je crois. Pas du houblon, mais. Des boulons. Les boulons. 371 étoiles. Ouais. Voilà. En fait, établir un avant-poste de nourriture. Ouais, ça. Ah oui, ok, d'accord. On va aller à un avant-poste, on va voir si toi tu peux le faire. Merci Baron pour ton follow. Bienvenue en tout cas dans la communauté de monsieur, mon ami Jack. C'est pas Jack, hein, c'est son nom GTA. Qui est, voilà, c'est à force de l'appeler Jack. Viens, tu vois le point que j'ai mis là. À 160 mètres. Récompense actuelle, j'en ai deux. Comment je les ouvre? Il a qu'à faire les primes, il y a des tenues dedans. Ouais, mais c'est pas ça, hein. Je suis persuadé qu'il en a des tenues, hein, mais il veut pas se changer. Comment je vois les tenues déjà? Alors, tu ouvres le menu où tu vois ta carte. Ah oui, c'est ça. Tu vas dans communauté et après tu choisis un personnage et t'appuies sur Y. Ah oui, Y. Et tout en bas, tu as vieux costume. Toi qui adore ça. Table de vache, ton ok. Vêtements de hors la loi. Vêtements de mousse, ok. Vêtements qui est moche. Vêtements en cuir. Vêtements engin, ok. Vieux costume. J'en ai pas. Ok Baron, à bientôt et merci pour ta visite et bon jeu. J'ai mis ça hein, pour le moment. Attends, j'arrive. Bah voilà, là tu ressembles à quelque chose. Oh, commence pas à toi de tu ressembles à quoi, hein. Attention à ce que tu vas dire. Hein. La communauté des motards... à part... Ah ouais, ok. Hop. Hop, hop, hop. Donc on va aller là où j'ai mis le point. Tu vas voir si tu vas appuyer sur comment dire pour créer un avant-poste. Un petit follow avec avant de vous quitter. Ok. Plaisir. Ah, ce jeu il fonctionne bien, live en fait, il faut que je le fasse souvent. On prend qu'une voiture. D'accord, on prend une voiture. On prend celle où il y a le plus de place. Voilà, c'est bon. Je vais te déposer au travail, chérie. Attends, ouais. je pense qu'en allant par là, il y a un moyen de pas se casser la gueule et de rejoindre la route principale. Ouais, voilà. Après, c'est là l'avant-poste pour la nourriture, non? C'est ça. Il est à... Attends, j'avais mis un truc en plus, je suis con. Oui. T'en descends. Ouf. Voilà. Bon, enfin. Foiré. Oh, commence pas, tiens. Attention, il y a un gros explosif. Ah, plus. Ah. Région, ok. Et comment je fais l'avant-poste, moi? Sauf l'autre peut rendre cet avant-poste. Ok. Écoute, moi je vais pas le prendre parce que je suis très bon en nourriture. Apparemment, ça impacte pas sur les survivants. Puisqu'il n'y a que ton personnage. Et toi, t'es pas du tout en famine, hein, donc... Non, mais je parle en fait... Stas de la base. Ouais, mais c'est bizarre. Statut de la base, ouais. Ouais, je sais qu'il y a un event...
Bah regarde, c'est dans les primes, hein, je crois. Tâche de prime active. Par contre, je sais plus comment on fait. On trouve le PNJ ou comment on le fait venir. Wolf. Bon, ça c'est fait. On va aller faire la quête. Ouais, c'est loin, hein, mais. Vu qu'on est. Attends, c'est peut-être celle-là. Ah oui, c'est ça. Et ça, c'est quoi? Bon, on verra bien. On verra bien. T'as des trucs à fouiller en haut. Oh là là, oui je sais, mais on s'arrête, pas un peu. Elle ne tient pas la route du tout. Alors là, c'est pas moi. Cette fois, c'est pas moi. Hein. Je l'ai ouvert en dernier. Hein. C'est le PNJ qui est donc. C'est pas moi. Ah, le PNJ joue bien avec la portière. Je roule pas trop vite parce que si le pont est cassé, on va en FA. Hein. Ouais, on va voler et on va tomber dans le vide. Oula! Oh, y a du peuple. Attends, je vais passer par là. Ah bon, on s'est pas pété les barrières. Bon, c'est pas grave. On fouille pas, hein. On va à la quête. Ah d'accord. Ok. On fouillera après, en revenant. Ok. Gros point bleu au centre de la map. Attends, je check ça. Non. Je vois pas de gros point bleu. Hey, we could actually move in here if we wanted. Yeah, I can go for that. Ouh, ça sent bon ça. C'est nouvel emplacement de nouveau camp. Il est bon lui. Oh, c'est bien ça. Ouais, mais attends parce que ça va faire déménager tout le monde. Faut voir si elle est mieux que notre base. Donc faut voir le nombre d'emplacements. D'abord le nombre d'emplacements. Il y en a un à l'intérieur déjà. Un, deux à l'extérieur. Ouais, ça c'est bien pour jardin. Après 3, 4 encore ici. Dehors ça. Dehors 4. Parfait. Regarde. Et c'est tout. Ok, attends, je dois parler à Alison. Je suis d'accord avec toi, cet endroit est mieux que notre emplacement actuel. On peut essayer de faire quelque chose. Je peux soit accepter ou refuser. Hein. Bah, comme tu veux. Il faut voir le nombre d'emplacements. Je vais visiter le toit. Il y en a 4 là. Bon, un extérieur et 4 extérieurs et un à l'intérieur, c'est ça? C'est ça. Ça fait 5. Attends, je réfléchis. De l'autre côté, on a la chambre. On a une cuisine. Ici, il va falloir tout construire, tu vois, on n'a rien. Ouais. Donc on perd déjà beaucoup d'emplacements. Après, je sais que au fur et à mesure, on s'est déblayé des choses. Ici, bah, à mon avis, ce sera du lit. Je sais pas. Je sais pas si... Peut-être que Wolf va pouvoir me répondre. Quand on a plusieurs camps, plusieurs bases, est-ce qu'on peut revenir à une autre base? Je veux dire, pouvoir transférer tous les PNJ dans la base précédente, ou alors une fois que c'est fait, c'est fait. On a deux emplacements de véhicules. Ouais. Comme l'autre, à l'extérieur. Sur l'air de rien, on est bien mis, hein, là où on est. Ouais.
Bah ouais, On est bien situé. On est en hauteur ici, on n'est pas en hauteur ici. T'es allé voir sur le toit s'il y avait des choses? J'ai pas réussi. À mon avis, par un autre endroit. Attends. Voilà. Ouais, bah y a que deux emplacements de véhicules. Hein. Donc, je pense qu'elle a la même taille. Non, y a rien au toit. Ah non, non, y a quatre. Y a quatre emplacements de véhicules. Comment ça, y a quatre emplacements de véhicules? Ouais, ouais, y a quatre emplacements. Ils sont pas côte à côte, mais y a quatre emplacements. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Comme tu veux. Bah non, on est une équipe, donc... Bah, je reviens, je vais aller aux toilettes, et je reviens. Ok. Donc, ma question, Wolf, toi qui as l'air d'avoir plus d'heures de jeu que moi, si tu quittes ton camp, ta base, pour t'installer ailleurs, est-ce que il est possible de retourner dans ton ancien camp après? C'est avec tout, hein. Donc tout ce que t'as construit, tes PNJ, enfin tes bots, tes alliés, tes survivants, appelle ça comme tu veux. Ou alors, une fois que c'est fait, c'est fait. Pas de retour en arrière possible. Abandonner et... Ouais, ah oui, avec tout ce qu'on a construit, du coup. Bah ok, merci. Je vais attendre que Ark soit revenu. Ah ouais, ok, d'accord. C'est ça que j'avais peur, parce qu'on a quand même pas mal... investi dans la première base. Après celle-ci me semble plus grande. Ok Ark. Est-ce qu'il y en aura une? Je pense pas, hein. La map est pas... La première map, en tout cas, n'est pas extrêmement grande. Après, est-ce que ça, c'est des bases potentielles? Je n'en sais rien. On dira. Hein, c'est... À bientôt, Captain Toto. Merci d'être passé. Bon soleil à toi. À bientôt. Ciao. Ciao. Ah, ok, tout est remboursé. Bah, c'est nickel, ça. Je vais attendre que Ark revienne sur le vocal. Ou alors il prend une balle dans la tête. Ok. Bon, on s'installe ici. Apparemment, tout ce que j'ai investi en craft est remboursé. Donc c'est pas grave. Changez d'avis et informez Allison que vous ne voulez plus partir. Remplissez les conditions requises pour installer votre base. Conditions non remplies. Ah, ok, d'accord. Ok. Il nous faut plus de survivants. On peut pas changer de base. Ah bah c'est ballot. On va aller rendre service aux autres.
That's a feral. I'd better be careful. They're damn quick. Oh, attention. We got a feral on our hands. Salopard. Je l'ai pas loupé. Pour ceux qui connaissent, ils sont balèzes ceux-là. Ils sont durs à tuer au corps à corps. Ah bien, on retourne à la base principale. Ok, là on peut. On va aller rechercher Arc. Actually, I tell people to fuck off way less often these days. Bah bon caca, Arc. La camionnette avec le moins d'adhérence au monde. Looks like we have a bloater here. If that thing still works. That's enough for now. Ils viennent vers toi.
On va la jouer fufu, hein. Quoi, Arc, t'as la cacarelle? Pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent. Ah bah bravo, on n'a plus de portière maintenant. Ah si, il y en a une deuxième. Brainless over there. Ah bah voilà, c'est cool, t'as été TP dans la voiture. Pas sur moi, mais je vais essayer de vous trouver ça. Re, ça serait le coup qu'on en trouve dans chez elle, du coup. Il lui faut des médicaments. Donc si tu en trouves, faudra que tu me les passes, que je lui donne. Ouais, mais si elle me gêne. Allez, là, c'est... Ah là, normalement, tu peux rentrer. Après, c'est... ça dépend ce qu'elle veut comme médicament. Est-ce que c'est un sac? Est-ce que... Ah ouais, c'est un sac, ouais. Non. Bon, pour l'instant, j'en ai pas trouvé ici. T'as un truc à fouiller dans la chambre? Désolé, j'ai mis un peu de temps que prévu. Oh, non, attends. Tant que tu fais pas une trace de freinage dans ton slip, c'est pas grave. Comme une sorcière. Ah ouais, moi, tu sais bien. Je suis pas Snapchat, hein, j'ai pas de filtre. Ouais, c'est sûr. Ah, par contre, je suis monté. Ouh, c'est violent les coups de feu. Oh, le flingos. Oula, je crois que je me suis fait tirer dessus. Ah, je suis au max au niveau d'étoiles. Ah bah... Au marathon. Je peux plus rien faire. Je peux pas l'améliorer. T'es sûr? Sûr. Ok. Du coup, je cours un peu plus longtemps. What the hell am I thinking?
C'est ton cuisinier? C'est mon cuisinier. Ton personnage, c'est le cuisinier ou pas? Oui, Ah, c'est mais mon non, ça va, cuisinier. non, 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 c'est pour les bases, donc ça ne te servira à rien. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ce sera pour apprendre à un autre personnage. Bon bah on va fouiller, hein, on va chercher après un sac de médicaments, quelque part. Regarde, on va pas se faire chier, on va prendre leur voiture. Ah, t'as pas fini de fouiller. Non. Ici, t'as des trucs à prendre. Je dois être pas, je suis plein là. T'es plein? Ben, dépose tout dans la voiture bleue et dans la voiture rouge et on va aller à la base. Habits, c'est bon. Au pire, on peut prendre un sac. On peut prendre un sac de médicaments à la base. Pistolet. Prends la voiture bleue hein, pour revenir à la base. Ça marche. On est loin de la base? Non, non. Je t'attends, comme ça tu me suis. Ok, oh. Il faut que je coupe des choses encore. J'ai encore des choses à récupérer et ça sera bon après. Ouais, ouais, très casse, je t'attends. Voilà. Ah. Ça, oh, ça, on est à plus d'une heure de large. On est à pom, 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 presque 2h30. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est sûr. J'ai de l'essence si t'en as besoin. C'est bon, oh, tu peux. C'est bon, tu peux, je suis derrière toi. Attends, Ouh, attention, il y a un screamer. Ouais, ça je va. Dégomme. Non, mais ça va, il est mort. Dégomme. Il est mort, il est mort. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Tu vas finir par me renverser. D'accord. Avec tes conneries. Comme dans GTA RP. Ah personne ouais. Je détiens quand même le. Le record du gars qui a dû être réanimé le plus de fois par les EMS. Hein. Sans le vouloir, bien sûr, c'est les autres qui me tuaient sans le faire exprès parce qu'on faisait les cons. Pourquoi je monte à l'arrière, moi? Je suis con, moi. Non, je peux pas monter. Voilà. Oh. Oh, y'a un nid à faire ici. Du côté de Molotov, on peut aller les cramer si tu veux. Ouais, on fera ça après. On va en finir avec cette mission là pour qu'on puisse augmenter notre réputation
et engager d'autres personnes parce qu'il nous manque 3 survivants pour pouvoir déménager. Ah, tu veux déménager du coup? Ah, il y a une autre camionnette là. Qui est beaucoup mieux. Ah oui, hein, oui, oui. Ce que Wolf m'a expliqué. Ouh, putain, ah, okay. attends, reste là. Je sais pas pourquoi j'ai voulu aller par là. Oh, allez, elle est vraiment pas pratique à conduire. Donc je sais pas si ça fonctionne. Attends, je vais regarder. Je sais pas si ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. Je vais aller récupérer la camionnette là-bas. Tu bouges la camionnette. Bah ça va, je vais le faire. Je vais le faire. Voilà. If we don't deal with these infestations, they're gonna deal with us. C'est bon, tu t'en sors? Oh l'enculé! Il te faut une boîte de réparation? Non, c'est que je voulais prendre la bagnole et il y a un gros. J'ai pas d'essence. Il faut faire le plein. Ok, j'arrive. Mani avec ses outils arrive. Je suis vers la camionnette. Hein. Prends, essaye de me ramener du soin parce que j'ai un putain de gros sac qui m'a explosé quand je voulais démarrer la bagnole. Ça, c'est parce que tu fonces la tête baissée dans le tas sans réfléchir. Tu veux savoir, j'ai un sac à dos de nourriture et un sac à dos de soins dans la camionnette là. Bah c'est parfait, on va directement se rendre pour la quête. Tu m'as ramené du soin? Bah je vais te passer les miens, hein, parce que... Viens. Quoi? Je les ai mis là devant... Bah, c'est sûr qu'il y aura pas de fête de musique, hein. Ah, je peux plus rien porter. Mince. Attends. Ah, dépose dans la camionnette. Voilà. Ça va tenir la route, tu vois. C'est pas pareil. Voilà. Vas-y, je te suis. Bah en fait c'est juste là, hein. Ok. Yep, it's a free. C'est ici. Ah non, ici c'est la baraque affectée. Ah oui, là, c'est la baraque qui est infectée, ouais. En effet.
Ah mais j'ai plus d'endurance depuis tout à l'heure là. Oh toi tu vas te calmer ça hurleur de merde là. Tiens je te décapite ta tête. Ah c'est plus que deux balles. Looks like we've whittled the infestations down pretty well. Regarde ce qu'il y a. C'est où? Ah ouais, il y a un autre camion. Oh putain mais oh, il y a plein de véhicules. Non, il a que 6 places. On va pas se casser la tête. T'es sûr c'est la baraque infectée là? Ah ouais, non, c'est la baraque infectée. Non, la baraque infectée. Non, il y a les baraques d'infectés et il y a aussi les nids. Ça c'est une baraque infectée. Ah d'accord, OK. Yes, des briques. Il y aura un frigo à fouiller pour toi. Ouais, mais j'ai plus de place, moi. Je pense que c'est de la nourriture. Ah bah, dépose le sac de nourriture dans la camionnette. Ah, c'est des graines. C'est ce que je vais faire. Hop. Hop. Tu veux pas prendre la camion, cette camionnette? Non, y a pas beaucoup de place, y a que 6 places. Ah j'ai plus, putain, je peux plus rien porter. Après tu peux prendre la bleue, hein, y a pas de souci. Tu mets ouais, des trucs dedans. Ce que je vais faire, allô. Allez là. Oh, j'ai trouvé un fauteuil. Elle a fait exprès. Okay, that was way too loud. En fait, d'un coup plein de véhicules alors qu'on galérait à en trouver. Ouais, et on en trouve une tonne maintenant. On en a plusieurs là. Merci Wolf. Je viens. De finir toutes les primes. Bon, attends. Elle est où Francesca? Oh, c'était joli ça. T'as vu? Mais elle est où Francesca, sérieux? Mais non, c'est pas possible. Alors... ce serait elle. On va aller voir. Ça m'étonnerait quand même, mais on sait jamais. Hein. Ah bah pas le choix, hein. On doit passer par la route. Quel danger public? C'est toi le danger public? Bah c'est qui rentre dans l'autre là? Mais c'est toi. Ouais bien sûr, moi je rentre dans les zombies, c'est pas pareil. Hein.
Bon, on va aller par la route, hein, on va pas faire le sauvage. Avec moi? J'ai pas compris, Wolf. Avec toi. Ah, je viens de finir toutes les primes avec toi. Ah, mais peut-être il t'a rejoint la partie sans qu'on le remarque. Oui, bien sûr. Je sais pas. Non, bah là, c'est toujours la quête. Fait chier. Ça n'a rien à voir. Bah, elle a rien, ma voiture. Bon. Où tu vas? Pardon. Je suis allé dégommer des zombies avec la bagnole. Ah, y a pas de souci. Bah écoute, où est-ce qu'elle pourrait être? On va aller voir là, ça me semble... Ouais, il me semble que c'est là. Ouais, c'est ça. C'est là où on a volé sa voiture. Et t'as des fans qui arrivent là. Ouais, je m'en occupe. Ok, je rends de la quête. Bah déjà, faut que je prenne le sac. Ah d'accord, ok, pas de soucis Wolf. Thanks. Tiens, voilà ton sac. Bye bye now. Au revoir. Hey you, what's up? Menacer cet enclave avant savoir plus sur l'individu. Good to see you. Catch you in a bit. Échanger avec l'enclave. Okay. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a rien. Je peux les cramer s'ils ont rien. Non, garde tes mollo pour les boss et... C'est un... Oh ouais, ta voiture, elle est déglingue. Mais non. Ok. Bon. Sinon, j'ai des ressources en trop, ça vous intéresse? Bah s'il y a un système de boîte roulette dans le jeu, ouais. Sinon non, hein, c'est pas utile, franchement on a ce qu'il faut. Il nous manque juste des survivants. Tu veux aller faire le tâté molotov? Viens, on va aller cramer le nid. Vas-y. Évite de klaxonner quand on arrive. Bien sûr. Voilà, te gare pas trop près. Un fauteuil confortable. Moi j'ai une bombe et toi t'as des molotov. Ah t'es, ouais. t'es déjà parti là-bas. Attends-moi. Ouais, je vérifie comment je peux... En plus il y a une horde. Ouais, bah ouais, je sais. Viens, on va d'abord la clean. Ah merde, il y a un gros boursouflet dedans, je crois. Et j'ai plus de balles. Ah, il manquait plus que ça. Ah, j'ai zéro ordu, hein. Ah, toi, t'es carrément rentré. Je te dis attends, on clean la horde et toi tu fous.
Ok, d'accord, laisse tomber. Non, merci Wolf. Je ne suis pas partisan, excuse-moi, de me faciliter les jeux, etc. Avec des dons extérieurs à la partie. Mais c'est gentil. Et bah alors Ark, on fait moi le malin là. On fonce tout seul, on fonce tout seul comme un trou de cul. Ouais mais oh hein. Et on fait de la merde. Voilà. Voilà. Recule, je vais jeter la bombe. Ah bah ça va. Voilà. Mais t'as usé combien de molotov quoi? C'est... Bah tous les molotov. Survie tu connais ou pas? Enfin je sais pas. Ah là là. Ah, on fait une vraie arme. Va falloir que je switch le perso. Moi aussi. Parce que j'ai... Ouh. AR-15. That's a lot of stuff. I don't think so. No way I can fit this. Running real low there. I should really enjoy the peace and quiet while I can. J'avoue. Mais bon, j'essaie de lui apprendre à jouer vraiment en mode RP survie, mais... C'est G.I. Joe. G.I. Joe est strong, lui. Il comprend pas trop le principe. Tu vas me faire prendre pour un débile ou... Bah, je n'ai rien fait. Tu l'avais tout seul. T'as foncé sans m'attendre dans la baraque, t'as usé tous tes molotov pour détruire Ronnie. Avec... Ouais bah t'as raison Wolf. La baraque était remplie de zombies. Je pense que quand il va perdre un perso, il va se calmer. Pour le moment je perds pas de perso. Ouais pour le moment. Bon on fait quoi du coup là? On va retourner ramener les trucs à la base. Je suis en train de regarder ce que je peux jeter. Non, mais c'est pas grave. Hop, j'ai un sac à dos de soins. Parfait. Ah, échantillon. All clear. Ah, et moi j'ai sac à dos de briques. Parfait. Ah, je suis plein là, je peux plus rien porter. Bah, il y a les voitures, viens, on va déposer dans la voiture. On est en difficulté normale. La première. Vu qu'on débute. Ah, l'autre est prêt, l'autre est pleine aussi. Ouais. Bien, j'ai fait de la place. Yeah, that's not gonna work. Oula. Est-ce que tu veux une batte? Non, merci. Bon, ça, j'en ai pas besoin. Hop.
Donc sur le principe, évite le plus possible d'utiliser des ressources importantes, genre explosifs, molotov, etc. Parce que plus tard, on en aura certainement besoin pour battre des trucs très dangereux. Ouais. Faut garder un maximum. Faut garder un maximum. Bon, on va aller à la base. Ça va au niveau essence, c'est bon? Non, pas du tout. Ok, attends, bouge pas. Ah oui, il te reste pas beaucoup. Ah bah ça va. Oh, bah oui, encore bien. C'est pour ça que je ne pète pas un fusil. Ah, c'est sûr que si on joue en difficulté plus élevée, il va falloir faire attention. Genre, faut pas faire ça, quoi. Tu t'es trompé de touche. Ouais, je me suis trompé de touche, ouais. Oh, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Ah, pas mal ça. Hop, ça c'est fait. Ah, sans endurance, c'est injouable. Enfin, c'est pas jouable, mais. Ok, Wolf. Mais c'est pas vraiment ça qui me gêne, c'est que on joue en coop, mais regardez là, il attend pas, il fonce. Allez, en danger, il y a des zombies à l'intérieur. Ah bah, elle les a tous dégommés à elle toute seule. Je crois qu'il en reste dehors. T'entends? Ouais. Ah, on doit la protéger. Ah oui, d'accord, ok. On reste près d'elle et. Oh là là. Sans endurance, c'est pas facile. Encore 25 secondes. Ah ouais. Et pour l'instant, je suis bloqué, je peux pas switcher de PNJ, je peux pas. Parce qu'on doit finir d'abord la mission où il faut des survivants. Ouais, c'est hyper mal fait. C'est ça, ou alors je dois refuser de l'aider. J'ai pas envie. Ah bah j'ai trouvé un objet pour toi. Voilà. Hey, I want you to have this. Alors. I'm looking for just the right group to join up with. I'm picky like that. Voilà, on a Fess qui est de nouveau, enfin qui est avec nous quoi. Let's head home. Try to keep up. Hey you. Yeah, later. Du coup, elle vient avec nous? Ouais. Bah nickel. Bon bah bon. On rentre à la base pour le moment. Ouais, parce que là on est en endurance, on est mal. On est. Oh oui. Mais vu que je pouvais pas laisser quelqu'un mourir comme ça, en plus c'est un survivant potentiel pour nous rejoindre. C'est ça. Donc ça va être très simple, c'est tout droit jusqu'à la première à gauche, gauche, et c'est bon. Oh joli. Il a bien volé lui, hein. Ouais.
Oula! Essaye de pas rentrer dans les zombies. Je sais c'est drôle mais ta voiture elle est morte déjà. Ouais. C'est pour pas avoir une blague, tu vois, d'être bloqué. Attends, normalement si on va par là. I know I don't look like the type, but I was a total fee. Take a look at what I just delivered. Ah parfait. So, where was I? Ah yes. I know I don't look like the type, but I was a total theater nerd. And we were edgy as fuck. Alors ce que tu vas faire, c'est tu prends, tu déposes tous tes objets dans le camion ici. Dans la camionnette. Allô, Ross? Oui. Viens ici. Attends, faut je... Mais oui, je... Mais attends, je pose le soin. C'était pour te montrer quelque chose. Ah attends, j'arrive, attends. Il fallait que je prenne ça, qu'autrement je pourrais pas, j'aurais pas pu. Je suis là. Donc là, dans tout ce que t'as sur toi, tu déposes dans le camion. C'est fait. C'est fait. Oui. Maintenant tu vas, tu retournes dans le camion. Voilà. Je retourne dans le camion. Maintenant tu appuies sur RB2. Ou enfin la gâchette à droite. Je sais pas le nom, j'ai pas de manette Xbox. Oui, c'est bon, j'ai tout récupéré. RT, pardon. C'est RT. Et tu quand t'es dessus, et ça envoie tout directement à la planque. Sans devoir te déplacer. Voilà, hop. Est-ce que t'as vu toutes les voitures qu'on a maintenant? Ouais, on en a énorme. I hope nothing heard that. Quelle violence. Well, this is great, but we'll need water eventually. Voilà, on a une nouvelle personne. Voilà. Plus rapide, moins d'énergie. How's it going? Et ben voilà, on va pouvoir prendre Faze directement. En tout bien tout honneur, bien sûr. Bon, moi je vais m'arrêter là. Ok, parfait. Bah, c'est bien, on est à. Dans une minute, on sera à 3 heures pile. C'est parfait. Je vais juste voir ce que je peux améliorer dans la base avec ce qu'on a ramené. Ouais, vas-y. Puis je changerai de perso et puis je serai bon pour cette fois. Alors, moi j'ai changé de perso aussi, hein. Par contre. Voilà, je lance tout ce qui est à lancer. Hey, how's that project of ours coming along? Oui. Ça c'est, par contre c'est mal fait, parce que si on veut la jouer coop à 100%, mais bon, il peut toujours. Il peut toujours prendre à sa planque pour donner, donc c'est pas bien grave au cas où que j'ai besoin de ressources pour faire fonctionner notre base. Tout ce que t'en... attendez, un endroit ça sort, remonte le moral. Ouais mais ça utilise du carburant, fait chier. Je vais pas l'utiliser maintenant, on va le garder. Par contre, les récompenses actuelles, comment je les récupère les récompenses? J'en ai 3. C'est-à-dire à quel endroit ça se trouve? En fait, quand tu vas sur ton perso, c'est marqué récompense multijoueur. Alors. Niveau de récompense, je suis à récompense actuelle, j'ai 3. C'est où? C'est quand tu vas sur ton perso, c'est-à-dire dans la communauté? Non, en fait, quand tu appuies start, t'as appuie start, mon ami. Oui. T'as en fait tout en haut.
t'as ton récompense multijoueur sur ton personnage. Quand t'appuies start. Ouais, j'ai le retour du live, j'y suis là. Vas-y, dis-moi. Donc ça. En fait, j'ai deux. En fait, j'ai récompense ici actuelle, j'en ai trois. Oui, mais sur ton profil, quand tu vas sur ton je perso peux, tout en haut. Je peux pas. Je peux pas aller dessus. Là, tu peux pas aller dessus. Non. Parce que moi, j'ai trois récompenses. C'est des coffres jaunes. Ah, ok, d'accord. À mon avis, c'est pour te récompenser de jouer en coop. Tout simplement. Mais je sais pas comment les ouvrir. Ok. Peut-être que Wolf... à bientôt, Wolf, et merci pour tes conseils. Ah, c'est quand tu te connecteras dans ta partie. Que Wolf dit. Ok. Merci d'accord. Beaucoup pour, okay. Pour tes merci. Conseils, Wolf, et à bientôt, au plaisir. C'est bon, quel, gâchis, quel gâchis à la pièce ici, inutilisée. Bah tu peux pas la détruire? Non, on peut rien faire. Eh ben... C'est vraiment... Oh, je vais dire un petit point négatif du jeu, c'est celui-là, je trouve. C'est... tu peux pas vraiment utiliser l'espace que tu as à 100% et comme tu l'entends. Il y a vraiment des... Des prérequis, il y a des limitations, etc. Mais bon, c'est pas bien grave. Et ben merci à tous ceux qui restent. Enfin, la dernière personne qui a connecté, je suppose que c'est toi, Alex. Enfin, je crois. Ou c'est Wolf. Et ben merci d'avoir suivi le live. On se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures. On reprendra là où on s'arrêtait. C'est ça. À bientôt tout le monde. Salut.